Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Vous le voyez, c'est enfin le retour du soleil pour ce jeudi, mais ça ne devrait pas durer. On attend tout de même une hausse des températures avec 18 degrés dans le courant de l'après-midi. Entraînement ce jeudi matin pour les hommes de Francis Gillot qui se préparent pour la 24e journée de Ligue 1 avec la réception de Lorient. Ce dimanche, coup d'envoi de la rencontre à 17h, donc à Chaban-Delmas, côté bordelais. Cheikh Diabaté et Jussier ne seront pas de la partie, même si les deux hommes ont repris le travail de réathlétisation. Diego Rolland, lui, est toujours blessé. Landry Guémot souffre toujours de la cuisse. Il a repris tout de même le footing ce jeudi matin. Côté Lorienté, Fabien Audard, le portier, pourrait faire son retour dans le groupe, absent depuis le 4 janvier dernier. Il postule de nouveau à une place donc de titulaire. Et puis Coutadeur et Kersia, eux, sont toujours blessés. Enfin, on connaît les deux finalistes de la Coupe de la Ligue. Le PSG affrontera Lyon en finale. Lyon qui a battu 3 hier soir, 2-1. La finale se jouera le 19 avril prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous ont présenté votre émission.